La signification de l'ikro, les, c'est si je ne sais pas où est Ellie et je cherche Ellie. Donc je fais ça. Ellie, Ellie. En ikoré, les Ellie. Donc ça veut dire appeler. D'accord. Si c'est l'ikro, les, c'est appeler. Donc je l'ai, si je l'ai écrit sur le PDF, hein, je l'ai noté. Ouais. Et si c'est l'ikro, et, c'est bien sûr lire quelque chose qui est défini. Si je dis par exemple Anikore sait faire, bien sûr que ça peut être lire. Mais si je dis Anikore le Eli, donc ça veut dire j'appelle Eli. Donc en fait, c'est la préposition qui change le. Souvent en hébreu, la proposition, quand elle change le sens d'un verbe. D'accord. Ça va être le cas aussi de notre deuxième verbe. Mais tu refais la conjugaison rapide ? On y va. Donc, la réponse. C'est Korim Li Itzik. Je me présente. Shalom. Korim Li Itzik. Souvenez-vous, la déclinaison de Le, Li, Lecha, c'est comme Yesh Li. Oui, c'est yesh lecha. Quand on avait appris le. Comment dire avoir en hébreu, on avait appris toute la déclinaison de la préposition Le. Eh bien, c'est ça. Li, Lecha. L'o, la nou, la chem, etc. Ouais. Et je vous avais dit que ça va vous servir, donc voilà, vous voyez la preuve. Donc là aussi, c'est pareil. Korim, li, lecha, l'o, la, etc. Donc, Eli, korim, li, itzik, comment, on a vu ça le coup précédent. Bien sûr. Korim, lecha. Lecha, c'est ata. Donc, korim, lecha. Oui, je dis Eli. Ata yodea, Itzik. Korim li, Eli. Donc, ça, c'est la réponse. Je m'appelle Eli. C'est moi qui parle. Donc, korim li, Itzik. La question, c'est comment korim lecha. Ça veut dire comment on t'appelle. Oui, parce que korim, c'est au pluriel, là. Korim, c'est au pluriel. Pluriel. Ouais. C'est comment on t'appelle. C'est une forme impersonnelle, c'est le on. Voilà. Et en hébreu, on dit... On m'appelle Itzik. D'accord. Korim li, les gens m'appellent Korim li Itzik. Et si on parlait du verbe levaker? Levaker. Et là aussi, selon la préposition qu'on met derrière levaker, le verbe va changer de sens. Signification de sens. Donc, si par exemple David est malade, je dois lui rendre une visite. Alors, comment tu dis « je visite David » ? Donc, l'évaquer, déjà, c'est « mévaquer », ça se conjugue comme... Elle est d'abert. Comme « médaber », voilà. Donc, ça fait « mévaquer », « mévaqueret », comme « médaber », « médaberet », « mévaquerim » et « mévaquerot ». OK ? Donc, si je visite une personne, c'est « ani mévaquer et » Et David. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cours d'Hébreu le Club ? Alors rendez-vous sur acoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Beivrit.